Bienvenue ce week-end, les dames et messieurs, sur Congo Live Télévision. Bonjour, Mbote Bisika Bozali, Mbote Naba téléspectateur, Banso, Ba Congo Live Télévision, Ba Kekolanda Beto, Na Ngongayai Bozali na Diaspora, Mbote na Zeno Moyo, Naba téléspectateur Nyoso, Ya Congo Live Télévision, Ba Kekolanda Beto, Na Ngongayai Bozali en République démocratique du Congo, au travers 26 provinces, Oyo est constitué Mboka R2C, Tolobi Mbote, Bisika Bozali, Boye Elamu Kolanda, Manakana Biso Yasika, Pona Basango Yasika, Tozali na honneur ya koyeba ke bozali ebele bokei ko sukisa semaine na bino bisika bozali tout en étant informé. Vous nous aviez suivi les longs de la semaine. Les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue. Heureux de vous savoir nombreux, heureux de vous joindre à nous les dames et messieurs pour être informés. C'est sans me dire, je suis encore Youssoufou Kibingila Adavid, journaliste d'investigation basé dans l'Est de la République démocratique du Congo et je viens encore pour vous informer de l'actualité dans cette partie de notre pays. On parlera de la situation sécuritaire à l'Est de la République, on parlera de la situation politique sur la RDC, on parlera de la diplomatie, où on est aujourd'hui avec la diplomatie, on en a parlé tout au long de la semaine, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut noter? Est-ce que Bisson a Bissonné Tozo Salaba confusion, na Katia Likambo Tozo Sala, to yaïn diplomatie, oyo ezo agir dans les Noirs, d'où les Congolais là nous baillébité? Voilà Togolo Bela notamment, Uganda, oyo ezo appuyé, lelo ba rapport bandiko bima, ke Uganda ezo appuyé ba ADEF, ke ba ADEF bazalakana appui. Yaba Ougandé. Na parti Mosusu, RDC est signé par contrat. Ba collaboration entre UPDF na FRDC. Mais au-delà de ça, par rapport Mosusu eye, na yaba société civile, témoignant l'appui des rebelles de M23, Oyo Ougandé Pesi Bango. Toko découvrir Ango tout au long de cette émission, tout au long Yamanaka Oyo, Toko Yeba Ojiste Nini. Ezo kende libosote na katia makambo da l'est de la République. Tokolobela likambo ezo le kada le site Kivu eza moko ya ba province o eza à l'est du pays d'ailleurs wanande toke ko bandela manaka na biso tolobaki yango depuis un certain temps bazo crié Rwanda ezo exploité minerai RDC minerai bazo iba. Mais la plus grande question qu'on se pose toujours est le kelaka wapi. Banani ba servira kanzela wana pour ke eleka. Eza mituna parce que si on se dit que minere na biso ezo ibam, eleke la kawapi. Est-ce que eleka ka seulement ba bisika oyo banguna bazali? C'est-à-dire, ebimi rubaya, basali transit nango na zamba, zamba ti Rwanda, ezaka kawana te. Parce que avant même ke bazo wa rubaya, on décriait cette situation. La population parlait de ça, la société civile. To yamba ba to ebele awa ya société civile. Oyo batika ko ebisa biso ke non, bazo iba minere na biso, bazo iba minere na biso. Et on se disait, où seraient les autorités? Baza wapi, bakenda wapi, pour que ba bloke banzela wana. Nini ezana site ki vous, oye ko interese biso tongo ya lelo, toko découvrir pourquoi est-ce que décision an ekweyi, toko découvrir pourquoi est-ce que bango pe basali bilo ko ango, parce que sans ignorer, et ça seulement Nord Kivu te oye partagé limite na Rwanda. Il y a aussi une autre partie dans la province du Sud Kivu oye partagé limite na pays agresseur, c'est-à-dire baye oye bazo agressé na Nord Kivu. C'est possible ba ça la le même manœuvre na bango na province ya Sud Kivu. Alors toke kota la nini oyo et kangeli biloko kuna. La province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo est notamment riche en or, cassiterite et coltan. Ces minéraux sont exploités principalement de manière artisanale par des sociétés de droit congolais, mais à capitaux étrangers, chinois notamment. L'exploitation minière en proie aux violences des groupes armés
et source de trafic vers le pays voisin, tel que le Rwanda, a toujours posé problème. Des mesures plus ou moins radicales ont été annoncées par le passé, mais sans effet notable. Donc, ndenge boyoki eke likambwana ezo salema. Les activités minières sont suspendues dans la province du Sud Kivu pour remettre de l'ordre. Les autorités du Sud Kivu, l'une des provinces de la République démocratique du Congo, les plus riches à minerais, je précise bien comme l'article le définit, les plus riches à minerais, ont annoncé vendredi 19 juillet la suspension de toutes les activités minières pour remettre de l'ordre dans les secteurs. Nakatia Makamboana, Bazongisa, ordre. Totanga Elongo, Toyeba, Elongobani, Nini, Oyo, Ezo Salema, dans l'est de la RDC. Dans la foulée des élections générales de décembre 2023 qui ont vu la réélection du président sortant Félix-Antoine Tshisekedi, les élections de gouverneur ont eu lieu en mars 2024. À fonction depuis juin, le nouveau gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pérouse, va remettre de l'ordre dans l'exploitation de minerais pour améliorer la traçabilité de la production et maximiser les recettes de la province. Selon un membre de la cellule de communication du gouverneur Dani Bashige. Donc, Boyoki, Boni, Makambozo Salema, 72 heures pour quitter les sites. Un arrêt provincial dateux du 18 juillet 2024, édivisé vendredi, estime que les services étatiques habilités à exercer dans les sites minières ne savent plus remplir correctement leurs missions suite au désordre occasionné par les exploitants et d'autres personnes. Yango na lobaki. Na article na tiki kotanga awa na makambo oyo na tiki kotange la bino Rwanda pe eza cité na kati ya makambo. Pourquoi est-ce que l'autorité provinciale a pesi 72 heures batunyo swana ba évacué? Parce que là, nous, un embouteillage et zali. Embouteillage dans le sens que, bazoye bate boni minere ezo sala. Bazoye bate minere ezo le ke la banzela wapi. Kafouillage komi ebele. Waneza ya yamboli boso. Bare seto yo bazala ki ko maximize ezali susute. Eko zalate, parce qu'il y a le vol. Vol ezali. Batu bazo iba. Boni bako maximize. Et il y a toujours le Rwanda qui a été accusé de voler ba minere ya RDC. Totski go souligne wana na simake, eza moko ya ba province, riche minere. Ba minere oyo boko kuta na mikili bisika mosusu te, eza na kati ya province a Sud Kivu. Et la question c'était, est-ce qu'on continuera seulement à dénoncer que les Rwanda, l'Ouganda, Boé. Mais les lots, autorité provinciale, la province à Sud Kivu, a joué mesure wana yako bloqué ma activité. Pour que basse la traçabilité à Biloko et ça les marandenge nimi. Si c'est nous piller, on nous pille des deux côtés, ni de la province du Sud Kivu, ni de la province du Nord Kivu. Et est-ce que nous allons continuer à pleurnicher? Non, tout ça, la yangote. Ba peuple congolais, oyo bazo vivre, nangambo mosusu, bazo féliciter, bazo tia loboko, bisika ya mezirwana. Mais ba kei mosika koloba, monsieur le gouverneur, c'est bon qui est au sala yango. Mais ba mesir oyo bokozwa après. Et ça la eke toyeba bosolo na kati ya likambwana eza wapi. Ce n'est pas normal. Tomi beta tolo ke toza mboka eza na ba minere. Toza na mboka oyo eza na biloko ekoli esa bana mboka. Mais entre autres, tozo mona plusieurs jeunes congolais ba chômeurs. Entre autres, ba jeune bazo tambo la baza ta kutu na elikia te. Eza pe mutuna ezo ya kongole moko aliaka mbongo boni na journe moko. Wana nyusu za mituna.
wana nyonso eza mituna, c'est-à-dire ces gens ont intérêt à faire tout. Ils utiliseront toujours des Congolais pour faire ce trafic. Yango zo Salem. Dans la province de Sud-Kivu, yango mokonzi azui ba mesure ya kotala boni akosala eke biloko wana ezala arrêté. Boni akotala asala pour que biloko wana esila. Eza pe mutuna ezo mituna lelo. Est-ce que ce qui to continue na ndenge wana ekosalema eke ordre ezonga? Parce que c'est toujours un danger. Rwanda est gotique à la pour toujours. Na premier niveau, Rwanda est acquise. Mais na second niveau, Bazali. Po ba yebami, pe ba rapport rebelle et l'Obama. Ke minere oye sa la kakuna. E iba makana Congo. Lora campagne électorale na e na pwe de presse a zwa ki loba koloba. Eza ye tende a zo iba ba minere a Congo. Mais ça, biloko ezo kende États-Unis. So, et bimaka États-Unis, et le kelaka wapi po e kende États-Unis. Et bimaka na RDC, et le kelaka wapi po e koma, tina États-Unis et Amérique. Et ça, babantiko fundana, kati na bango, na kati ya likambo, o etali minere ya RDC. C'est-à-dire, et ça, initiative a bien, oyo, monsieur le gouverneur azui. C'est une bonne initiative. Il a le soutien de la population dans cette affaire. Mais également, toujours ben le gouvernement congolais à ne pas seulement s'arrêter dans l'action wana. Ba kende au-delà sur l'étendue du territoire national. Ba kende au-delà na bamboka nyoso oyo ya RDC. Surtout dans l'est du pays. Parce que ceux qui ont dit que si tu qui vous toquez na Ituri, c'est même chose bokoyo kango. Bazo semer terreur, bazo financer ba groupe ba rebelle. Bazo sala biloko ndenge na ndenge, modèle na modèle, pour trafiquer les minéraux. Donc, bazo zuelango bisika nyoso. Et puis, eza responsabilité ya gouvernement congolais, ko ya kokota na mozindo na kati ya FR1. Pour que basu kisa yango. Pour que esila. Toko banda kolobaka ka tokei, tokati ndelu, tokati ngambo, tokei procès, tokei to bandi dossier. Contre Eipol, to bandi boe, contre tel, to bandi boe, contre tel. Mais biso moko to mi interroger nan, nakati na biso. Est-ce que ceux qui to zui ba mesir, ya ko kanga banzela, oyo esale la kabango, eloko wana, est-ce que ko continue? Nangambo mosusu, to zo favorize te, ba iba biso, me nangambo mosusu, to za pe ba responsable ya makambo, oyo ezo salema, nakati ya mboka na biso. Et c'est ce qui est imposé. Et c'est ce que le gouvernement congolais est en charge. Et il y a des garanties. Et garantie y a des responsabilités pour garantir la sécurité à les Congolais. Il y a des responsabilités pour garantir la vie à les compatriotes congolais. Et ça, c'est ce qui est. Et que tant que les officiels n'ont pas eu conscience, wanate, toko tourne toujours à rond. Bien que y a des décisions et ko zwama, mais tozo benga lelo bakonzi, ba mona musika, ba yebe la vision pour que mboka na biso ekende liboso. Revenons alors sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Nini ezo continue wana. En dépit à trêve oyo babakisa qui a deux jours, oyo boyoka qu'est-ce que vous aviez entendu, on parlait de ça ici que il y a 15 jours oyo bakisa maki. Sur la ligne de front, qu'est-ce qui est signalé? Je reviens ici pour vous parler de Bweremana. On ne saurait pas aussi finir cette émission sans parler de Bweremana, parce que le lundi et le mardi, vous aviez entendu qu'il y a des menaces qui pesaient sur Bweremana. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Est-ce que les rebelles sont parvenus à prendre Bweremana? Qu'est-ce qui est arrivé après? Sur Congo Live Télévision, on a même décroché des interviews en ligne avec ceux-là qui étaient sur les premières lignes de front. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait savoir? En dépit de ces bombes, au-delà de ces bombes que les rebelles ont larguées sur la cité de Bweremana, est-ce que cela les avait permis d'avancer près ou soit dans la cité de Bweremana? La réponse à cette question est que, au-delà de ces bombes que ces derniers ont jetées dans la cité de Bweremana, ils n'ont pas eu la capacité d'y entrer. C'est-à-dire, les jeunes résistants Wazalendo,
Le VDP, bazana ba groupe na bango ebele, les volontaires engagés pour la défense de la patrie, se sont dit être déterminés. Ils ont fait le travail et les rebelles n'ont pas accédé, n'ont pas foulé leurs pieds dans la cité de Bweremana. Ces derniers, donc, ces jeunes résistants Wazalendo, nous ont fait savoir qu'ils ont combattu et ils vont continuer à combattre et ne savent pas cette affaire de trêve. Car l'ennemi, lui, personnellement, ne respecte pas la dite trêve. Bweremana, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi, fin de la semaine. Eza Nakati Amaboko, yaba jeune résistant Wazalendo, soutenu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Waneza na territoire Yamasisi. Quant à ce qui concerne le territoire de Rutshuru, l'État considérant en train de finir Manaka Nabiso. Le territoire ya Rutshuru, Bitumba Ezate, il y a silence, il y a accalmie sur toutes les lignes jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis Ebandelia semaine, jusqu'à l'élo semaine, Tosuki Siango, Nano Batiki Goebisa Bisote, Geno, Ezana Bitumba, Oyo, Eza signalé dans le territoire de Rutshuru. Au-delà de ça, territoire à Lubero, Toyokaki, chef d'état-major adjoint, Oyaza chargé dans renseignement, Yaba FRDC. Ne, Toyoka Kike, Asala ki rotation sur les lignes de front dans les territoires, Yalubero, Akoma Kikuna pour se renseigner, pour évaluer, Aye, Baboni, Biloko, ils ont continué. Mais entre-temps, je vais vous informer ici que la jeunesse de Butembo, Bajène, Oyo, Yaboutembo, Bajène, Yalubero, parce que Kanyabayon est dans Lubero, mais les M23 ne sont pas encore à Lubero centre. Ça, ce sont des précisions détails que vous devriez aussi connaître et que Nanou Bazana Lubero centre était Bazana Kanyabayonga est parti Moko. Il y a territoire Wana est d'ailleurs territoire est parmi ma territoire et où est très vaste Nakati la République démocratique du Congo. Ce que Bazen est à Butembo, na Bazen est à Lubero. Le loba sangisani balobi et que Bazo senga na gouvernement congolais epesa bango autorisation ya kobanda kotambola na manduki oyo kosunga bango pour la défense na bango là où nous appelons alors le gouvernement congolais eza na charge munene ba autorité congolaise les officiels congolais baza na charge munene mokonzi Gika Bongo Mwadia Vita madame Thérèse Wanyer bozana ba deux filles ebele. Ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan militaire, Bozana ba de fi ebele. Aujourd'hui, pensez à la population et comme il kende, bazala na mindu ki bango moko o eko servir bango. Lorsque menace ya munguna eye, ba mi défendre bango moko. Vous aviez entendu, c'était le lundi passé, bakenda ki babima ki Butembo jusqu'à Lubero, basala ki 20 km. À pied, Kobima Butembo jusqu'à Moussienene, il y a au moins 20 km, où Bazen va m'y installer Wana, de VDP va m'y installer Balobi, ce qui Munguna Kotsi na Kats na Mboka na Bango, donc Bango va causer la Basi Basili. Au-delà de ça, Bazo Senga, na Kats ya Butembo, Pepeni, je précise bien ici, c'est dans la région du Grand Nord, Bazo préciser que Basengi na gouvernement congolais, et pe sa Bango Minduki, et autorisé Bango Kozana Minduki. Ezra Minduki a fait. Ezra ma ba arme blanche. Ba catégorie nyo soya Minduki. Pour que Bango pe ba mi défendre. Parce que ba ADF nangambo moko bazo finir Bango. Nangambo mosusu ba M23 bazo menace koya ko finir Bango. Alors, le temps que ba wana ba koutanite na ba ADF. Bango moko ba mi défendre. Voilà donc la situation actuelle sur l'étendue de la province du Nord Kivu. Situation yango moko ndenge zengeli koyeba diplomatie na biso ezawa pitoloba kitokolobela yango diplomatie na biso eoyo singeli toyeba lelo eke jusqu'à présent les officiels congolais les autorités congolaises continuent à nous amener à nous faire croire que diplomatie ezofuta na ngambo nango c'est ce que les autorités congolaises déclarent jusqu'à présent eke biso to tiande mbona se toye kola koyeba eke jusqu'à présent, diplomatie ezofuta. Est-ce que tu continues? Ndenge lolenge bango bazo ebisa biso, to esengeli biso peto banza, lolenge mosusu pona kosilisa bitumba da l'est de la République démocratique du Congo. Yo personnellement, c'est même par là où je finis avec cette question,
yo personnellement aux Hollande biso aux Anapoto aux États-Unis avant de partager même la vidéo avant de vous abonner avant d'activer ces cloches de notification. Quelle est votre proposition ce samedi? Moi, c'est d'ailleurs ma plus grande question que je place à l'égard de votre personnalité. Quelle est votre proposition au gouvernement congolais pour mettre fin dans cette guerre, dans la guerre dans l'est du pays, pour mettre fin à cette agression rwandaise? Quelle est votre proposition? Affichez dans les commentaires, mentionnez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo et ça nous fera énormément à plaisir. Sur le plan diplomatique, quelle est votre proposition? Sur le plan militaire, quelle est votre proposition? Dépendant de là où vous nous suivez, vous êtes en Europe, vous êtes partout, proposez le gouvernement congolais et nous estimons qu'ensemble, unis, nous allons mettre fin à cette guerre. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Les dames et messieurs, j'étais Youssoufou Kibingila à David. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette semaine, les dames et messieurs, on se fixe un nouveau rendez-vous. C'est lundi, même heure et réel plaisir. On sera encore ensemble pour d'autres actualités. Bon week-end chez vous.